Nouveau vlog, tout tordu. Bon, il n'y a pas de suspense, hein, vous l'avez vu dans le titre. Je suis à Girola, dans le sud de l'Italie, dans un village de la région de Naples, juste au-dessus de la côte amalfitaine. Pour ceux qui suivent depuis longtemps les vlogs, vous savez, je viens ici tous les ans. On a une maison familiale ici. Il y a ma grand-mère, donc ma grand-mère qui est algérienne, hein, qui est venue pour la première fois ici. Elle a passé une semaine, elle a kiffé. Et son rêve, c'était de voir Capri. On habite juste en face de Capri. J'étais obligé de l'amener depuis toutes les années où on se disait bon, faut que tu viennes. Du coup là elle est venue et puis bon elle voulait aussi rendre un hommage à mon père, donc voilà, ça fait super plaisir. Mais elle s'est fait remplacer par quelqu'un que vous connaissez, que vous avez pas vu depuis des années, et vous êtes demandé où il était passé et qu'est-ce qu'il fait. Il est là, posé dans le sale Jacopo. Ça va, frérot? Ça marche, frérot? Oui, ça marche là. C'est un nouveau micro, ça fait bizarre. On est pas à l'époque. À la télé. Ça va ou quoi? Oui, ça fait plaisir de te voir ici. Moi aussi d'être là. On s'est revus au Maroc. On s'est revus au Maroc. On a passé un bon moment, on a bien rigolé. On vous expliquera pas entre nous, mais voilà, c'est la famille. Pendant un moment, on s'est pas vus, mais maintenant. He's back. Qu'avant. Voilà. En plus de ça, on s'est rendu compte, on s'est pas vu pendant presque 6 ans et on a eu les mêmes centres d'intérêt. Oui. Pour des choses dont on vous parlera bientôt. Oui. Vous allez voir, je vais vous faire visiter un petit peu ceux qui connaissent pas la maison. J'ai fait les pizzas il y a quelques jours ici dans le four. On va aller s'entraîner aussi, hein. Oui. Parce qu'on est quand même dans une chaîne de fitness toujours. Oui. On essaye. Il est devenu papa aussi, donc toi aussi t'es un papa musclé. Ouais. Et j'ai fait train with me, Wolf Strong, tout. Beauty time. Et voilà, je vous présenterai aussi sa famille tout à l'heure. Et voilà, là devant l'ordi, bien sûr, la vie d'un entrepreneur. C'est-à-dire qu'on choisit nos horaires, on choisit bien sûr quand on veut travailler, quand on veut pas travailler, mais on n'est jamais 100% aussi en vacances. Bah, surtout que là, voilà, je pars 3 semaines, après je repars 1 semaine, après il y a mon déménagement à l'île Maurice, pour me permettre de mettre les pieds en éventail pendant tout ce temps-là. On se plaint pas, hein. Et là, donc je bosse un petit peu. Et puis aujourd'hui, normalement, on va aller s'entraîner. Victoria, elle est malade, du coup. Elle a eu une insolation. Hier, elle est restée à la maison tranquillement au frais toute la journée. Et aujourd'hui, on ira à la plage, mais en fin de journée, comme ça, elle est au frais. Et voilà, parce qu'elle a eu beaucoup de fièvre, etc. Donc on va pas prendre de risques. Puis voilà, quoi. Ici, on mange très bien. Et le plus compliqué, c'est quand même pour s'entraîner, parce que bah, faut trouver la motive. Surtout que je sais pas pourquoi les enfants se réveillent là toutes les nuits. Voilà, c'est parce qu'ils étaient malades, mais je dors pas super bien, pas beaucoup. Donc, la motivation, quand il fait super chaud en plus, que je dois y aller en milieu d'après-midi quand ils font la sieste, elle est pas au rendez-vous, mais j'y vais. Attention, quand je m'entraîne pas, c'est que je peux pas, c'est pas que je veux pas. Donc là, j'avais commencé un son qui s'appelle Osarajin, ça veut dire sarrasin en napolitain, qui signifie l'arabe. Le mec des sarrasins à l'époque, je sais plus si ça couvrait exactement quelle région, mais c'était les arabes. Et donc il y a une fameuse chanson napolitaine de un peu de le même chanteur qui faisait tout vos fans l'americano, qui a été un tube il y a quelques années. Et moi, cette chanson, je l'aime beaucoup parce que ça parle en napolitain d'un arabe, beau garçon, etc. Et j'ai toujours voulu reprendre ce son, c'est ce que je suis en train de faire là. J'avais fait le premier couplet juste avant de partir. Là, faut que je termine, c'est un son d'été, c'est un son qui tape. Sauf que j'ai pas amené tout le matos. J'ai amené juste le micro, pas de trépied et surtout pas d'antipop. L'antipop, c'est une espèce de cercle qu'on met devant pour tout ce qui est les bruits de poussillon, les P. À chaque fois que tu fais des P ou des T, ça va faire. Ça fait un vieux son, on va dire, dans le micro, même si c'est un très bon micro. Il faut un antipop. Normalement aussi, j'ai un demi-cercle pour pas que ça fasse ça résonne, etc. Mais bref, juste pour vous dire, c'est pas le matos qui fait le son. C'est pas parce qu'il manque ça que le son va être réussi ou loupé si vous faites un bon son. Il y a des gros titres qui ont été faits dans des chambres d'hôtel, dans des salles de bain. Voilà. Je dis pas que je vais faire un tube, en tout cas, je vais me faire plaisir. Et pour ceux qui aiment ce que je fais à côté, dans la musique, etc., j'espère que vous allez kiffer. C'est parti, au Salagi. Et je disais, j'ai pas l'antipop, mais je suis allé voir ma cousine en haut qui m'a donné un collant. Et en fait, quand vous le tirez comme ça, c'est ça un antipop. Et là, ça empêche, le son il passe, et ça empêche les P de taper dans le micro et de saturer. Voilà, c'était le petit moment ingé son. On est toujours dans une chaîne de fitness. Voilà, super à l'aise. Hey, Algeriano, isso vero sarrachin. Et dans ma micro, il y a des hemides et des jeans. Et tout est bio, des pecs aux abdominaux. Je suis le premier domino, solide comme Geronimo. Ah, ils sont forte, comme un peuple mexicano. Dans 30 minutes, on va faire les courses.
Voilà, je t'ai à manger pour midi. Bon, la mif, j'ai troqué la caméra contre l'iPhone parce que c'est plus pratique. C'est les vacances. Et comme je vous avais dit, les vlogs vont changer à partir du moment où je serai à Maurice. J'aurai quelqu'un qui va me suivre. Mais là, c'est les vacances. On va essayer de tous profiter. Et en fait, c'est beaucoup plus simple comme ça. Sinon, à chaque fois, on va devoir sortir les micros, etc. Et ça va pas être un vrai vlog de vacances. Donc, ça sera pas un vlog papa musclé. Ce sera un vlog de les vacances. Et des fois, il y a des voitures qui doivent passer ici. Ah, bah là, il y en a qui fait demi-tour. Ouais. Là, on va chercher à manger à Boomerano. Et voilà le pain dont je vous parlais. Bon, même en français, je mange tous les matins. Celui-là, il y a des seigles. Ouais. Mettre là. Les pâtes. Ah oui, c'est ça que je voulais expliquer. C'est que bah, vous allez dire que tout vient de chez moi. Mais ici, donc, dans une commune juste en dessous d'Adjirola, il y a une commune qui s'appelle Gragnano. Gragnano, j'ai eu un montant. Ouais. Et Gragnano, c'est la capitale européenne des pâtes. C'est-à-dire que toute la ville, ils font de la production de pâtes. Mm. Donc la plupart, Garo, Fallo, Bari, là, c'est de Bari. Je suis pas sûr. Hein. Ils font un Parma, Foggia, Caserta. Ouais. Ah, Caserta, c'est pas loin. C'est à côté de Naples. C'est l'heure de passer à table. On va manger les tomates du jardin. Basilic. Là, je viens de ramasser. On va mettre dans les tomates. Là, j'ai la voiture Jacopo. Ma voiture. La voiture de mon cousin. Ce terrain-là, il est à nous. Ma soeur et moi. Et la maison. Je vous ferai faire le tour de l'intérieur, etc. C'est mon père qui a tout refait. Donc tout le premier étage, c'est à nous. Et tout l'étage au-dessus, c'est à mon oncle. J'ai mis une petite piscine là pour les enfants. Après, on va à la piscine en général ou à la mer. Hop, 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 je vous montre juste le four à pizza. J'ai fait les pizzas l'autre soir avec le marbre, le bois, les pelles, tout ça là-bas derrière. On laisse à l'ombre. Là, on a tout fermé. On va manger à l'ombre. Il fait très, très chaud. Ah, bon appétit. J'ai amené ce qu'il manquait. En direct du Golden Gym à Adjirola. Donc la salle, elle est là. Il y a un espace plein air. Ah, moi, je kiffe. Franchement, la salle, elle est jolie. Enfin, elle est jolie. C'est une salle de village. Oui, mais elle est assez bien équipée. Il manque un petit peu de poids au niveau des haltères. Mais on va se faire un petit full body aujourd'hui. Parce qu'on ne s'est pas entraîné depuis longtemps. En plus, mes séances du training de ce mois-ci, elles sont incroyables. J'ai pu faire une semaine full. Mais là, vu que ça fait 5 jours sans training, body. Et je vous montre un peu, regardez la vue là de la salle. Ici il y a l'espace cardio, je vais vous montrer. Petit espace cardio que je n'utilise pas. Cardio, je préfère faire à l'extérieur. Deux cages à squat, des machines pour les jambes. Là-bas, il y a encore un espace petit matos, stretching, etc. Voilà, des bancs, haltères, presse. Là, il y a tout ce qu'il faut, pas d'excuses. On veut faire vraiment express parce que la famille nous attend là, on doit aller à la plage, etc. Mais on va faire du sale. Deux circuits, full body, jambes, pec, dos, premier circuit. Et deuxième circuit, épaules, abdos. Voilà, épaules, bras, abdos. Let's go. 4 tours, exercice polyarticulaire pour la plupart de base. On faisait avoir en 2012. Voilà. 13. Allez, allez, c'est la fin. Ah frérot, franchement, il est horrible. Je vous dis la vérité. De bon se bat comme ça, je viens de se réveiller. À jeun plein soleil. Oh putain. Alors c'est dur. Ne sous-estime pas ce type d'entraînement. Trois exercices très simples. En circuit, horrible. Je suis trempé, le cœur il va sortir. Je suis cuit. Bon, j'ai oublié de vous tenir au courant, mais on a passé un petit moment chez le médecin ce matin. J'avais deux enfants qui sont malades. Victoria qui a une otite et Athènes qui a une bronchite. Et là, pour finir, parce que voilà, il fallait des petites histoires des vacances, la voiture elle faisait un bruit de fou. Et couf, 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 couf. Le bruitage était approximatif, mais j'ai cru que... Je me disais, mais qu'est-ce que c'est? Tout le monde me regardait tout le temps, je passais. Wow, moi champion. J'avais ça coincé dans le disque, ça faisait un bruit de fou. On a démonté la roue et tout, enfin, le mécanicien. Bref, et là, du coup, fin de journée, on est venu faire un petit tour au parc. Non, boom. Elle est en train de dire que ma fille, elle me ressemble pas. Dites-moi dans les commentaires. Quoi, je... Alors, Athènes, il me ressemble. Il n'est pas des familles. Et ben aujourd'hui, c'est la piscine au rabbit. Et il y a Jacopo qui est là. Il y a le frérot Athènes qui est en train de dormir. Et là-bas, en face, vous voyez Jasmine, ma cousine Katia. Et là-bas, il y a ma mère qui est arrivée. Cappuccino et
On s'est tous dispersés dans la piscine. Hein. Ok, nouvelle journée. Positano. Positano. Aujourd'hui, on va à Positano. Hop, 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 hop. Donc là, ça change. Manu, Giorgio, Jasmine, Athènes, Deborah, la cucina. C'est bon ? Un esqui mange des fruits ? Toujours. Vraiment, c'est sa passion. La chambre de Vanessa, Embrigon de Luce, de Versailles. Bon, là aussi, la chambre de ma mère avec la salle de bain. Oh, belle. Non, la lumière, mais... ouais, quoique. Magnifique. Et ça s'est allumé derrière, je vais faire une photo, tiens. Jacopo, je faisais faire le tour de la maison. Les placards, notre salle de bain, notre chambre. Je laisse dans le noir, parce qu'elle n'a pas faite. Ah, Bonnie aussi, viens Bonnie, viens. Bonnie aussi, elle est là. Bonnie aussi, elle est chez elle. En plein Wolf Strong. Il a amené la planche. Magnifique. Allez frérot, vas-y. Tunnel vision when I hit the holly. Working on that cause my mind is on an island. Told my babies I'll be homeless, so don't stay up. Breaks my heart to see them sad, so I won't wait up. Need it all that's mine, I need it now. Oui, et encore ah, bon. Allez, tu pousses là-haut. Oui, vas-y, allez, tout seul. Tout seul, vas-y. Ouais. Bravo, Athènes. Petit magasin. Oh, c'est quoi? C'est une chinoiserie. Fais-moi voir, fais-moi voir. Voilà Mif, aujourd'hui on est dans un centre aquatique. Jacopo il est parti très tôt ce matin. Moi je suis venu avec les enfants et Capucine. Ma mère elle est allée au centre de Naples pour visiter un petit peu. Et franchement c'est la bombe ici. Grand toboggan, c'est propre. Des grands espaces verts, des animations pour les enfants. Donc pour ceux qui sont en vacances dans la région, c'est à Torre del Greco, Centro Aquatico. Franchement c'est stylé. Là c'est vraiment pour les bébés. Après il y a pour les moyens. Là-bas il y a un truc un peu plus club pour les adultes, les jeunes et tout. Bien, franchement bien. Il y a Victoria qui va arriver là. Ouais. Et on rentre. Dans 5 minutes, je prédis que cette personne ronfle. Potentiellement lui aussi, mais sans ronfler. A few moments later. Et tout le monde arrive pour passer à table. On arrive à la pizza fritta de la zia. Aujourd'hui, je vais vous manger en direct de la plage d'Atrani, juste à côté d'Amalfi. Bienvenue. Je me prends pour un reporter de la Côte Amalfitaine. Jasmine, hein. Derrière toi, là, t'es fait prendre dans un rouleau, la pauvre. Bon, la Mif, j'ai pas filmé là les 2-3 derniers jours parce qu'on avait fait soit des plages que je vous avais déjà montrées, on allait au centre aquatique aussi et je me suis pas entraîné depuis un petit moment. Ça fait une bonne semaine. Donc voilà, je vous dis la vérité, hein, c'est compliqué. Le truc, c'est que la salle, en fait, elle ouvre pas très tôt le matin. Et du coup, à 9h, c'est l'heure où ouvre la salle, c'est en général l'heure où on bouge. Donc je peux pas bloquer tout le monde. Donc j'ai fait une séance de Wolf, une séance Wolf Strong, avec Jacopo. Et là, aujourd'hui, bah, je suis rentré, la salle est fermée. Donc je vais me faire des séries de traction. J'ai 15 minutes pour m'entraîner parce qu'on est attendu pour aller manger. Bref, voilà, dès que je peux, j'essaie de caler. Bon, je dis pas que jamais j'aurais pu trouver 10-15 minutes pour faire des pompes, des tractions, etc. On sait aussi un petit peu les vacances, je profite. Bref, c'est parti pour les tractions. Il faut que je vous montre aussi ce que j'ai reçu. Franchement, je suis affolé comme un enfant. Donc là, vous voyez, en train de vous filmer avec un petit trépied, mais un trépied spécial. Regardez, je vous montre. Et là, du coup, ma gourde qui fait trépied, 750 ml, Rhino Shield. Donc... vous voyez, tac, vous pouvez l'incliner. Bien sûr, mettre aussi en position verticale, horizontale, comme vous voulez. Et là, ça va me servir de ouf pour la salle. Pour filmer mes stories, mes trainings. J'étais toujours là à caler mon téléphone entre deux haltères, à le faire tomber, etc. Franchement, ça fait super plaisir. En plus de ça, bah, on peut l'incliner comme on veut. Vous voyez, tac, plusieurs degrés d'inclinaison. Dès que vous avez fini, vous vous servez de la petite anse ici. Je vous montre pour le porter. Et bon, déjà, moi, j'utilisais déjà les coques Rhino Shield. Ça, c'était déjà ma coque. Et là... tac, aimanté directement. C'est pratique de ouf. Ça va être mortel pour les trainings, ça va être mortel pour faire mon contenu. Surtout quand je serai humoriste, vous allez avoir un max de contenu, vlog, muscu, etc. Et j'ai besoin de trucs qui sont efficaces, rapides à mettre en place et tout. C'est de l'acier, hein, c'est pas du plastique. Donc nickel, en plus elle est jolie, elle est sobre, elle est simple. Ça se voit qu'elle est costaud. Mais tac, là, il y a la petite paille.
Il y a tout pour la nettoyer. Franchement, ils pensent vraiment à tout. Et en tout cas, merci RhinoShield. Ça va me servir grandement pour faire mon contenu. Merci la famille. Lately I've been giving doubt tones and meeting milestones. No way I'm giving all of me. Wouhou! Ça te plaît le concert? Donc là on est en plein concert. Mon cousin, bah, je crois, allez, il va me faire visiter. C'est lui qui gère toute la logistique. Alors en fait ici c'est un centre de haute gastronomie où viennent faire les cours de pâtisserie, de cuisine, etc. À Djerola, qui est réputé pour la cuisine. Je vends bien ma région quand même. Hein. C'est beau hein? Ça faut les poser les carreaux comme ça. Hein. Là vous voyez les cours de cuisine. Le chef il est là, il y a la caméra, elle est là. Et ceux qui sont là, en fait, ceux qui sont en train de suivre le cours, eh ben, ils voient les mains du chef et le plan du chef à l'écran. C'est incroyable. Et là, c'est la cour de pâtisserie. Ok, ça, c'est pour la minoire. Là, vous avez les chambres froides, les fours. Et là, c'est pour les sommeliers, pour le vin. Et là, on est sur la terrasse. Et là, vous voyez toute la costière. Athènes, qu'est-ce qui s'est passé? Le chien, il lui a croqué son beignet. On lui a prévenu plusieurs fois. Qu'est-ce qui se passe? Lui, il a kiffé le beignet. T'as kiffé le beignet, gros? Et siamo a Praiano. On est à Praiano. Regardez-moi ça, cette petite crique. Je sais pas si on dit comme ça. Regardez là, on voit pas très bien, mais il y a un hôtel, là, ici, en vert, ça s'appelle San Pietro. 9000 euros la nuit pour la chambre là, moins cher. Nouveau capitaine à bord. Ah ouais, ouais, mais prends les choses en main. Hein. Et voilà, on vient d'arriver. Donc ça, c'est une plage, on peut y venir qu'en bateau. C'est pour ça qu'il y a autant de monde. Montrez là, regardez. Vous voyez juste celui-là, ça, c'est un petit yacht, hein, comparé à ce qu'on a vu. 15000 euros la journée. Allez, saute. Vas-y, Jess. Alors, on s'est arrêté au restaurant de la sœur d'Enrico, qui est là. Franchement, il nous a mis bien de fou pour cette journée. Les choix marinés, son œil un petit pasté, saumon. Je vais me régaler. Comment on dit en italien, Athènes? Fatigué. Ça fatigue le bateau. On fait le capitaine. Et après, on bave sur son papa. Allez, allez, on balaye, on vient de rentrer. On est éclaté, mais j'ai dit que je faisais pizza ce soir, donc j'allume le four. Étant donné qu'il fait pas assez chaud, j'avais envie de rester devant le four aujourd'hui. Et je vais aller faire les courses. On va ranger un petit peu le bois aussi. C'était le petit bois pour l'allumer. Là-bas, c'est le bois pour la suite. Là, vous avez la réserve. Plein training des pecs. Contraction volontaire, regardez, regardez. Hop, 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 hop. Ah là, c'est mon père qui m'a tout appris. C'est les meilleures pizzas que j'ai jamais mangées. Voilà, mif, je suis de retour à la salle, je vais faire un petit training avec de la charge. Là, je pense que j'en ai besoin un petit peu. Plein soleil ici, je terminerai là. Baby, you could be one. Let me change your life. I could show you many reasons, different seasons. Hop in my bag and I stay in it. Hit from the back and I stay in it. He is not damn, don't play with him. She is not damn, don't play with her. I got a R-O-D, she got a P-N-C. Baby girl, you know you was made for me. Hop in my bag and I stay in it. Hit from the back and I stay in it. He is not damn, don't play with him. She is not damn, don't play with her. I got a R-O-D. Encore une journée au centre aquatique. On serait allé trois fois. Ouais, on a rentabilisé. En trois semaines. C'était cool? Oui. Oui, oui. Est-ce que t'es contente, ma poupée? Oui. Et le dernier repas, nous on s'en va demain. Il y a une fin à tout, malheureusement. Prochaine étape, la Grèce avec PJ et Greg. Ensuite, ça sera l'île Maurice. Cigarette en bocca, manolina dans sac. Oh, 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 oh.
magnifique. C'est toi qui les fais mieux. Avant dernière glace, parce que ce soir il y en aura encore une. C'est bon? Cappuccino, delizia al limone. Et moi j'ai pris la tarte, belle et rigolo. Jasmine, l'as-tu mangé?